Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Mad Max. Mad Max. Ah oui, ça y est, bon, il a fait le point. Voilà, Max a fait le point. Et donc, dans cet épisode, chers amis, comme prévu, nous allons parler à nouveau à notre ami. Voilà, notre ami qui est ici, Gutgash. Et voir ce qu'il en retourne. Par conséquent, on va aller voir si on peut pas se TP directement chez lui, ce serait cool. Déplacement rapide, parfait. Je ne pense pas que ça déclenche le dialogue, en soi. On va bien voir. Alors, je vois une mission secondaire là-bas. Franchissez la passe des terres arides. D'accord, c'était ici, The Jaws, oui. Oui. Ben, on va commencer par la quête secondaire. Écoutez, il nous en propose une, j'ai bien envie d'aller la faire. Surtout si c'est en rapport avec l'espèce de personnage là qu'on a vu donc précédemment, et je pense que c'est le cas. Oui. C'est toujours pas la forme. Bonjour madame. Hey Dune Drifter, I've something to tell you. Me and my child, on our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards, but we fled. What do you want? There's hidden things in the rig, a treasure for someone like you. Why tell May this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. Intéressant. Hop, vous expliquez qu'elle s'est enfuie d'un char de guerre pris dans une embuscade de vautours. En traversant un tunnel, chercher des marchandises de valeur dans les tunnels du nord. Débloque le chargeur maximum pour le sniper. What? What? Dans le nord, attends, ça, quand il dit dans le nord, c'est pas genre... D'accord. Ouais, ça met dans l'ambiance. Bon, c'est pas comme si on avait du boulot partout en fait. Là-dedans, il nous reste des champs de mines. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait la quête principale? On va se faire un petit coup de quête principale, vous savez quoi? On y va. On va bourrer un petit peu la quête principale pour voir où est-ce qu'on peut aller. Alors. D'accord, intéressant. Mais ce n'est pas là qu'on va pour l'instant, mon cher chum. On va d'abord au Jaws. À la mâchoire. Hop. Sainte, sainteté sacrée. Oh putain. Il en peut plus, le chum. Alors, je pense qu'en fait, quand on est dans l'autre sens, on doit pouvoir descendre plus rapidement. Non, je me trompe? Oui, tout à fait. Faudra y penser la prochaine fois. Ok. Hop. Ça se passe plutôt bien. Oh, le champ d'éolienne, il est là. Cool. What do you know of these dead barons? Closer to Cast Town. So the patrols are nastier, more frequent. C'est bon ça. There is Pink Eye, an ancient lady of war and racing. Touched by the angel, her machines are truly gifted. Intéressant ça. Oh. C'est cool aussi ça. J'aime. Alors, oula, on est dans le sable. On passe sur le harpon. Ou sur l'explosif. L'explosif, ça va être mieux. Restriction, collision. Ok. Salut les mecs. There it is. The jaw and its blood soaked
fangs. Every time I see it, my gut ropes shrivel with fear. Boom! Alors. Boom! Et boom! Trouvez pas, chers amis, que ça valait le coup de faire tous les... Désolé, c'est pas lui que je voulais. Raté. Oula, ça c'est con. Hop les... Hop les... Boom, choc frontal. Hop les... Ah non. Ok. Raté. Alors les mecs. Raté. 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 Et au revoir à ton bras. Bam! La caisse est réparée? Presque. Qu'est-ce que t'avais sur toi? Allons-y. Tu sais quoi, chum? Le sniper. Il saute. Y'a un problème les mecs? D'accord, donc pendant ça là chum ne reste... Ok les gars, vous voulez vous la faire comme ça? Wouhou! Désolé l'ami. Aïe. Allez. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Wouhou! Appelez. Hop les. Allez. Ok, tu voles. What? Aïe. Elle t'étend. Détruisez les gonds de la mâchoire. Ça, je crois que je sais comment je vais faire. Allez, monte. Eh ben non. Lui, j'ai envie de le finir. Comme il faut, chers amis. Boum! Allons-y. Des choses à faire ici? Non, du tout. T'es prêt? Allez, magne! Non, non. Allez. Voilà. Mission de l'histoire terminée. Magie noire, la mâchoire est enfin détruite et la route vers les terres arides est ouverte. Le V8 est à Petroville. Mais je vais avoir besoin de l'aide de Pink Eye pour y arriver. Hop les. Tout à fait. We're gonna find this woman called Pink Eye. Look to your map, Saint. If things are as bad as in the Great White,
Un camion? Then we'll do the same for her as we have for the others. Allez, hop là. Bon, où sommes-nous? Que faire? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Ok, y a du boulot. Bon. Putain, mais c'est une habitation. C'est génial. Tu m'as raté, toi. Alors là, pour un sniper, t'es vraiment moisi. Hein. Gros lourd. D'accord, je le bats par une finition enchaînée, mais il est encore en vie. Alors, où est-il, le gros lourd? J'imagine qu'il est au-dessus. Ah, c'est le sniper. Et boum! Ah, j'ai entendu une petite souris à manger. Où est-elle? Souris, 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 souris! Ah, je t'ai entendu, donc tu es techniquement pas trop loin. Parfait. Ferraille. Souris. Holy shit. Souris. Ah non. Attends, j'aurais juré l'avoir entendu. Peut-être enfui, hein. Aucune idée. Sauf si elle est là. Ah, il y a du Dinkidi, donc on va passer notre fin sur le Dinkidi. C'est bon. Alors, ce qui va être fonctionnel. Hop, on monte. Et roule. Oh putain, détruire les câbles. Oh nom de Dieu. Je touche de là? Je touche de là, c'est cool. What? Alors, les FPS, vous remontez ou pas? Oui. Ah non. Alors, apparemment, au niveau des FPS, c'est pas la joie. Ok. Apparemment, c'est pas la joie quand je regarde par là en fait. Raté. Hop. Ah bon? Merci. Ah non. Quand ça veut pas, hein, c'est violent. Non, tu montes. Putain. Je te déteste. Ah, puis il veut pas le viser de l'intérieur, donc là ça pue aussi. Bon. Je disais donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais là ça a voulu. Donc voilà. Est-ce que je vais pouvoir décoller maintenant, madame? C'est bête qu'on puisse pas envoyer Chum Bucket, sachant qu'il tire au harpon, c'est bête qu'on puisse pas l'envoyer directement sur le truc et dire « Voilà, tu peux me dégommer ça au harpon, s'il te plaît ?» Sachant qu'on peut l'appeler à 3 km. Et qu'il peut permettre, et qu'il peut téléporter la voiture aussi, ça c'est pratique. On gagnerait beaucoup de temps, il aurait pu nous téléporter en dehors des Jaws. Ça aurait été cool. Enfin, de l'autre côté des Jaws. On aurait eu moins de problèmes pour faire tout ça. Alors, où est-ce qu'on est? C'est joli, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Le sac de nœuds, bah bien sûr. C'est pas un Pokémon ça de base, sac de nœuds. Ok.
On a vu des trucs sur la gauche. Sniper, station de pompage, difficulté 4. Pourquoi pas. Hop, hop. Hop. Pouvantail renforcé, pourquoi pas. Oh, il y a une espèce de trou là-bas qui fume, c'est marrant. Là-bas aussi ça fume. Chez Jit. Et le bateau on le voit pas de là, dommage. Rangeons les jumelles, allons voir ce qu'on a trouvé. C'est marrant, y aurait rien de ce côté là, ce serait vraiment bizarre. Ah, 1, 2, 3, 4, mais y a plein de choses en fait. Parce que j'ai pas encore fait un 360 quoi, tout simplement. Course à la mort, voilà. Merde, j'ai pas fait attention où sont les autres. Là, et là. Camp de scorbut, cool. Voilà. Et encore rien par là. Hein. Bah non, y'a rien. Bon bah pourquoi pas, allez on descend. Je suis curieux. J'aurais regardé un truc. Techniquement, vous voyez, le moteur est là. Autrement dit, il y aurait une commande qui longe le moteur qui me permettrait de redescendre. Très bizarre. Ça devrait être l'inverse en fait. Le moteur devrait être dedans et je tire avec le, depuis la nacelle vers le bas. Enfin, je me rattire tout seul vers le bas. Ah oui, non, c'est vrai, dans l'autre sens. Il m'a insulté! Alors ceux qui peuvent, s'il vous plaît, dans les commentaires, me réécrire, parce que j'ai pas eu le temps de lire, moi, la totalité de sa phrase. Me réécrire ce qu'il était sur le point de me dire, parce que je me plantais de sens. En plus, j'allais dire que je me plante de sens. Ah, le con! Le con! Le con! Qu'il est con! Ah! Ça se fait pas de me parler comme ça. Je voulais juste voir un truc aussi. Oui, il n'y en a pas d'autre. Donc, je vais... attendez, il n'y en a pas d'autre, quoique... Comme ça, je les vois. Ouais, je crois qu'il y en a... Je sais pas. Mais je pense que dans les prochains épisodes, chers amis, on ira donc directement soulager les différents territoires autour de Good Gash pour essayer d'obtenir un maximum d'objets. Et donc, ensuite, on verra. Donc moi, je vais me téléporter là, chers amis. On va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver, comme dans le descriptif de cet épisode, des liens vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu Mad Max et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Oh, le Mad Marcus, le Mad Max.